Rebienvenue sur le stream. On est toujours avec la BO de Dance of the Necromancer. Et devinez qui est passé pendant la pause. The UPS Guy. Il est ici, alors vous voyez rien du tout. Voilà, c'est le nouveau micro que vous découvrirez lundi dans le stream. Alors c'est censé être un peu professionnel, voire même beaucoup professionnel. C'est le Blackout de Yeti, de Blue Sky. Non, de Blue tout court, de Blue. Voilà, un micro professionnel, Ultimate USB microphone avec plein de réglages qui vont bien. Donc j'espère que ça améliorera davantage les qualités. Il est massif, le poids du truc, sans déconner, déjà le poids. Et quand vous le voyez, alors c'est où? C'est en haut. Ouais, vous voyez, à côté d'un ordinateur portable, il est plus haut que l'ordinateur portable. C'est n'importe quoi. Bref, il va me tomber sur la gueule, c'est obligé. Je vais le ranger ailleurs. Dès lundi matin, on teste ça sur le stream Before Work, en espérant que la qualité soit bien meilleure. Merci d'être toujours présent sur ce stream. On va pas perdre de temps, il nous reste une heure et demie ensemble. Ah ! La musique s'arrête. Et on peut rebasculer sur l'interface extraordinaire que les Américains nous envient. Les Américains de la NSA. Pourquoi j'ai Michou à chaque fois là si... Au revoir Michou. C'est vraiment, c'est plus possible. Continuons cette aventure passionnante qu'est Never Alone. Très très bon jeu. Vraiment. Ouais, j'aime beaucoup le micro. Alors, je vais voir si j'arrive à me défaire du casque. Du coup, je jouerai juste avec des oreillettes pour le son. Ça fera peut-être un son moins bon pour moi au niveau des oreilles, mais je pense que pour vous, vous allez gagner au change au niveau du micro. Vous m'entendrez peut-être moins gueuler. Enfin, je trouve de la place, par contre, sur ce bureau, il n'y a plus de place nulle part entre la Xbox et la PS4. Le bordel. La mer et l'air. Trophy unlocked. Un jour, il se demanda, mais que peut bien causer ce mauvais temps? Non, surtout, en fait, l'idée de ce micro, c'est que j'ai dans l'idée de faire prochainement des streams à deux. Avec quelqu'un avec moi. Et donc, voilà. Forcément, ça évitera d'avoir deux micro-casques et un seul micro qui permettra d'entendre tout le monde. Ça peut être cool. Ça va surtout me permettre également de faire des événements. Parce que je pense que cette année, si tout s'organise bien, je streamerai directement en direct depuis le Paris Games Week. Il va falloir que j'arrive à voir avec eux s'il y a moyen de pas d'avoir un stand, mais d'avoir un petit espace avec un peu de wifi. Et à ce moment-là, ça me permettrait de streamer directement depuis le stand. Enfin, depuis le salon. C'est un peu l'idée. Oh oui, on voit bien le côté abandon. Non, tu peux pas. Oh, that jump. Hey. Oui, mais encore. Là maintenant on a un petit décor de nuit. Alors ce soir je le dis, très sérieusement. Ce soir je débranche tout. Je débranche Skype, je débranche le téléphone. Ce soir c'est Koh-Lanta avec l'excellent Denis Brognard. Oh! Donc ce soir c'est soirée pizza, Koh-Lanta. Et bien évidemment bouteille de rouge. Parce que c'est toujours une bouteille de rouge avec Koh-Lanta et toujours une bouteille de rouge avec la pizza. Alors Luffy, faut partir maintenant si tu veux arriver pour lundi matin. Lui il peut pas monter les échelles là. Tu vois? Qu'est pas ça Graz là? Qu'est-ce que j'ai dit? Aurore boréale, ambiance. Ouais, t'as vu ça? Effectivement, ceci, il y a quand même un level design assez incroyable. Une direction artistique, pardon.
Bah ouais, c'est super bien foutu, il y a une bonne ambiance. Je me moquais du jeu au début, enfin je sais pas que je m'en moquais. Non! Ah, j'ai pas été assez rapide. Koh-Lanto! Bon, il va falloir que je sois plus rapide. Beaucoup plus rapide. Beaucoup, 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 beaucoup plus rapide. Oh! Non, c'est bon. Oh! Je me suis gouré de touche. Samurai Wasabi, moi lundi soir, c'est Krolanta. Oh, c'est dommage, TF1 me ferait probablement chier si je retransmettais en direct sur ma chaîne Twitch Koh-Lanta. Mais ça pourrait être sympa un jour de faire effectivement un Koh-Lanta où on suivrait tous le stream en même temps. Boum, tchakalaka. Et où on boirait des coups en commentant ce qui se passe. Ça pourrait le faire, ce serait badass. Alors, j'étais un peu présomptueux sur ce coup-là. Alors, il doit pouvoir monter sur la plateforme du haut directement. Non, il doit pas pouvoir. C'est pas grave, on va faire comme ça. Regardez les aurores boréales. Ouais, la caisse. Lui, il peut pas pousser. La caisse. Avengers 2, l'âge d'Ultron. J'ai prévu d'aller voir la semaine prochaine. Skylanta, ouais. Non, mais Krolanta, il y a un côté. Le jeu de mots est déjà présent si tu veux. Renard, ça. Arrête, renard, que fais-tu? Putain! Juste un petit problème de coordination avec moi-même. Voilà. Mais c'est nul, Koh-Lanta, non? Ah non, c'est bien. Faut regarder ça au deuxième ou troisième degré. Alors moi, pour tout vous avouer, je regarde pour la beauté des paysages, je regarde parce qu'il y a quand même certains trucs sportifs qui sont relativement balèzes. Je ne me sentirais pas forcément capable de faire. Je suis mort comme une merde. C'est ton avis, Grazle. Oh! Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Viens petite, viens.
peux être assez rapide. Ouais, Grazl. Comme d'habitude. Donc là, faut que je fasse le saut d'une traite. Allez, allez, allez. Je fais comment pour le toutou? Je fais comme ça, ok. Et merde. Ah non, mais alors par contre, ce genre de conneries. Les ch'tis machin, non, c'est pas du tout. Je suis pas du tout télé-réalité. Mais Koh-Lanta, j'avoue, je kiffe. C'est pas le même genre de truc, tu peux pas dire ça. Et merde. Bah... Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement il va falloir qu'il se renouvelle dans les épreuves et tout, parce que c'est un peu toujours pareil. Mais Dieu Denis a promis que cette année ce serait bien. Et merde! Eh, revoilà Dale! Alors Dale, comment s'est passée la vente à la sortie des écoles? Ah putain! Les promesses sont faites pour ne pas être tenues, bien sûr. Oh. Putain. 3 kilos. Je sais pas, au cours de la coke, ça représente quoi? Je me rends pas bien compte. Je suis sur un truc là relativement compliqué. Et je suis relativement nul aussi.
C'est pas pour rien si les services de streaming fonctionnent bien. Oh! Oh! 500, 600 euros. Non! Commence à me casser les couilles ce niveau. Alors j'essaie de reprendre ma concentration. Ce qui va être difficile. Putain d'aurore boréale. Tiens! Je remonte gentiment. Tout le monde s'en fout, mais j'ai recommandé, j'ai recommencé Skies of Arcadia. Non, faut pas dire tout le monde s'en fout, parce que tout le monde ne s'en fout pas, Octo. Alors. Ça me fait une belle jambe d'être arrivé là. Cours Forest, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Skies of Arcadia, ça c'est du RPG. Je suis d'accord avec toi. Mais Octo est un homme de goût. Il faut le savoir. Alors est-ce que je peux tirer ça? Est-ce que je peux juste pousser? Non, c'est bon, je peux tirer. Mais Octo aime se répéter, et alors? Non! C'est quoi une télé? Dale, il est PCiste à mort. Ok. La Dreamcast fut une excellente époque, effectivement, en termes de RPG. En fait, c'était tout con, il suffisait de monter par là. Bravo. Bravo, H. T'es vraiment trop con. Comme quoi, il y a moyen de mourir, même dans un serious game. Une mort bien dégueulasse. Hop! Ok. Ah, c'est bon ça. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Je fais ça, je vais faire s'écrouler un truc. Non! Ah, c'est bon, elle est toujours vivante. Non! Elle a eu le dog. Grase-le toujours dans la demi-mesure. J'y crois à mort. Oh, le bug. C'est bon. Je vois rien du tout. Prends pas le chien, prends pas le chien. Ça fait que je monte la corde.
Grazle, ouais. Je suis mort. C'est quoi, je vais commencer avec la fille. Monte, 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 monte. Te fais pas avoir. C'est bon, autour du chien. Il est où? Il est où? Baisse-toi! Pourquoi elle fait pas ce que je lui dis? Non! Il va faire sa propre console, ça s'appelle une Steam Machine. Allez, 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 cours, Forest, cours. La majorité des trucs sont merdiques, non. Une fois de plus, je ne peux pas te laisser dire ça. Alors, je vais me baisser. On va essayer d'y aller par étapes. Non ! Eh, il se corse quand même vachement le jeu, là. La 4K, y'a que ça de vrai. Oh, y a moyen de faire tourner de la 4K à moins de 6 000 euros quand même, j'espère. Tiens, c'est bon. Youp! Bah les Steam Machines en fait sera forcément un peu de la merde parce que ça permettra de faire tourner que les jeux qui ont été développés sur Linux. Et donc forcément il n'y a pas de secret, il y en a beaucoup moins que ce que peut proposer l'ensemble du catalogue Steam. Hop! Hop! Ouais, bah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup un axe. Le Sika. Non. Non. Oh, le truc il avance tout seul. Oh. Oh putain. J'ai pas sauté assez tôt. Fallait que je saute sur la fin. Allez, 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 allez. On y va cette fois-ci, on y croit. Ouais, 1100 jeux, mais y a beaucoup, pas, enfin sur Steam, y a beaucoup à boire et à manger. Et sur, pas assez à boire en fait. Yeah.
Déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne pas. J'ai déjà faim. Suis-je normal? Suis-je normal? J'ai déjà faim. Pourtant, j'ai pris un petit déj. Alors, on y va cool. Prends ton temps. Par contre, là, faut sauter, oui. Oui, il faut sauter. Vas-y. Ah merde. Merde. Là l'autre con. Tiens, tu les veux les bolasses, les voilà. Dans ta gueule. Non. En prenant en compte ta nécessité de produire un produit plus innovateur pour qu'il les prix soient attractifs, tu dois compter des frais de recherche et de développement supplémentaires, sachant que tu vas perdre de l'argent en diminuant tes prix face à la concurrence, tu vas devoir en plus mettre de l'argent de côté. C'est un truc que tu connais pas. Pour produire ta console, il va falloir du monde, 5000 euros, t'es gentil, il va falloir beaucoup plus. Il est mort ce renard. Et du coup, je ne pourrais plus chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Il lui a brisé la nuque, cet enfoiré. Le Serious Games, quand même, il est plus triste que Bambi. Oh oui, plus triste que Bambi. Clong, clong. Bah tu vois ça avec le comptable officiel de la chaîne, alias Dale. El Cantal. L'homme des chiffres. Ne me dis pas qu'on est déjà à la fin du jeu. Oh! Il renaquit sous une nouvelle forme. Je vérifie juste un truc. Kishima Never Alone. Je l'avais pas ajouté dans ma liste de jeux PS Plus. C'est exactement da! Ah, j'aime pas du tout la nouvelle forme du renard. Oh! Yep. Tu n'as pas eu tes bolasses. C'est Never Alone. Kishima blablabla. Kishima je sais pas quoi. C'est un jeu Inuit. Non, c'est vrai en plus. Développé par des Inuits. Hein, j'ai cru que j'étais mort. Non, c'est bon. Pourquoi il veut pas descendre l'esprit? Pourquoi? Mais pourquoi? Ah
Ah bon, il y a plus de vidéo. Gonfle-moi pas! C'est bon, ouais. En fait, il suffit, j'essaie juste de faire ça. Viens, 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 viens. Hé! Tout est à recommencer. C'est trop éloigné. Il est vraiment sympa tout plein ce petit jeu. Reste là toi. Oh, j'en ai marre. C'est quoi ces plateformes? Allez, on y croit. Yes. Et donc je reprends le contrôle de mon ami le renard qui n'est plus vraiment un renard. Et là je lance Las Bolas. Non, pas là, là. It was just. Je sais pas, un petit esprit là qui viendrait me chatoyer. Ok, il va falloir que je fasse le saut de l'impossible. Oh putain. Dans le cul. Lulu. Ah non. Les arbres eux-mêmes prirent vie. Ok. Yop. Les phases de plateforme sont un peu relou. Hop. Juste un peu. Non. Le système de visée est un peu relou aussi. Va chercher, va chercher. Pourquoi tu veux pas? Hop. Non. Putain. Yep. Ouais, par là. Je l'ai encore échappé belle. Alors c'est bon la vidéo ou c'est toujours pas revenu? Ah. Mmh.
faire le saut de la mort. Tio ! Oups, c'est pas ça. Samouraï Wasabi ! Bosse bien. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Oh ! Merci Samouraï. Merci pour ton passage, ça fait plaisir. Ok. Je préférais comme le renard première version. Qu'est-ce qu'il a fait apparaître ? Ici. Non. C'est l'un des lives les plus calmes que j'ai fait. Parce que c'est le jeu qui se prête à ça aussi en même temps. Bah fini mal, t'as bien raison. J'aime beaucoup ce jeu. Il a vraiment une super bonne ambiance. Ah, je peux pas le soulever davantage. Je peux pas le soulever, je vais le baisser. Oh ! Non, je peux le monter celui-là. Non ! Non ! Avec son air tout désolé à chaque fois. Un petit jeu vraiment très très sympa. À récupérer là. Ouais, rendez-vous sur le parking d'Intermarché. Les Monster Truck. Non. En fait, dès que le bonhomme s'éloigne, c'est vraiment super tendu. Et Dieu sait qu'il a tendance à s'éloigner assez facilement. Par où va-t-on maintenant? Non, va pas trop loin! Oh putain! Oh! Y'a rien à faire là. Ouh.
What the... Faut que je suive le hibou, non? Non. Faut pas du tout que je suive le hibou. Je me suis suicidé. J'adhère pas trop. Bon, tant pis, tu sais quoi? Je vais quand même aller là. À mon avis, ça me permet de sauter plus haut! Pour aller plus haut! Pour aller plus haut! Et voir un peu de l'avenir! Oh. Il y a certains moments comme je décroche. Pourtant il est là pour me montrer le chemin. Non. Son contrôle pour voir ce qui se... Ah, d'accord. Non, ne me suis pas, fillette. Ok, donc il y avait un truc à récupérer ici. Ok, je vais attendre une petite bourrasque. Vas-tu m'emmener? Faut pas que je m'éloigne trop de lui. Oh! C'est bon. Alors dans cette partie là, ouais, le renard est un peu passif. Je le trouve bien mieux dans tout ce qui est première partie du jeu quand c'est vraiment un renard. Voyager, quelle que fût la distance, était dangereux. On ne voyait qu'une masse de neige blanche tourbillonnante. Robert Cleveland. Oups. Il y a un petit côté, alors pas du tout au niveau graphique, mais je sais pas, il y a une espèce de petit côté limbo au niveau du gameplay et de l'inertie. Après voilà, la comparaison s'arrête là. Au moins le renard là peut plus tomber dans les trous, c'est toujours ça de pris. Non. Ça me fait une belle jambe. Attends, peut-être que lui. Ouais. En y allant, il va se récupérer une boule lumineuse. Oh! Oh! On a un arbre qui s'énerve. Ah, bouge pas, renard. Bouge pas. Winter is coming. Non. Je peux sauter là-dedans? Non, je pouvais pas.
Oh. En fait, il faut que je redescende. Complètement. Au début, ça commence gentiment. Bon, là, là sur la fin, c'est carrément très très tendu. Après voilà, c'est pas non plus ultra difficile. Putain! Mais là sérieux, ça leur foutait quoi de mettre un petit réticule de visée? Parce que c'est pas toujours très pratique pour viser, vraiment. Et White Walkers. Pas de spoil sur Game of Thrones, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas vu. Ouais, c'est bon. C'est après que ça merde un peu plus. Alors je peux le faire redescendre. Ok, ok, ok. Non, plus bas. Qu'est-ce que tu fous? Non. Ça, c'est pas toujours... Pas toujours hyper clair. Hey, il est parti où l'autre? Ça bug. Je peux même plus changer de perso. Ça bug. Ouais, j'ai réussi à faire bugger le jeu. Au secours! Bon, c'est pas grave, je vais retourner au dernier point de contrôle. J'ai pas le choix! Ouais, du coup, je me retape encore une fois ce que je venais de faire. Laisse-toi tomber. Oh! Par contre là j'ai pas du tout compris. Si je dois forcément aller là-dedans, bah non. C'est quel intérêt? Quel intérêt aurais-je à aller là-dedans? Bonjour, je suis l'arbre qui s'excite. Ouais, moi aussi je me trouve très calme ce matin. C'est le jeu qui veut ça. Attends, si je saute de l'autre côté. Eh oui, c'est ça. Non. Vas-y, apporte-moi ça. S'il te plaît. What? What? Ah non, c'est bon. En fait, il avance. Je crois que je devais faire un truc, mais l'arbre se déplace. Et merci les tics. Je l'ai vu après, j'ai... d'abord compris par moi-même avant que ce soit trop tard.
Le truc dans ce jeu, en fait, c'est qu'à certains moments, t'es tellement contemplatif devant ce qui se passe que t'oublies complètement qu'en fait, il y a des trucs à faire. En l'occurrence, là. Non ! Putain ! T'as vu, l'éthique, ça avait disparu comme ça en loose day. Ah bah merci, tu me rassures en disant ça. Oh, c'est quoi là ? Non, j'imagine que je suis arrivé. Ouais. C'est vrai que techniquement elle a jamais dit au revoir. Oh non ! Casse-couille. C'est de ça que tu parles, l'éthique, quand tu parles de galère? Non! J'attends une petite bourrasque là, non. La classe à Dallas. Ah, ça recommence. Qu'est-ce que... Alors, j'imagine que... Oh ! Ah, le passage il est pas ultra simple. Wow ! Sérieux ? Merde, non, c'est bon, je suis pas mort. Hey, Renardo, où es-tu? Toi seul à la clé. Ah, baisse-le ton truc. Ah non, tu peux que le monter. Ok. Ah ok, faut que je le monte pour... Ok, je viens de comprendre. Faut que je le monte pour pouvoir m'envoler.
Ok, vas-y, tu peux le faire, Pedro. Ouah. Encore un arbre. Putain. C'est bon, là c'est parti. Non, abaisse-le celui-là. Non, tant pis. Abaisse celui-là. Ou monte-le. J'ai juste gagné du répit en fait. Et merde. Eh, c'est tendu du string. C'est pas un jeu pour enfants. Ah bah, un trophée ne pas mourir une seule fois. Bonne chance. Bon, déjà, faut arriver à comprendre ce qu'il faut faire du premier coup. Ok, ça j'ai compris. Non, celui-là je peux pas l'abaisser. Alors il faut que... Non ! Non ! Il faut que j'abaisse celui-là. Putain. Oh si, il y a des grands malades, il suffit juste de le recommencer en mode speedrun. Ça se trouve, faut que je reste sur cette branche là. Pourquoi je me casse le cul à vouloir aller sur l'autre? Voilà. Va me remettre sur l'arbre, ouais, à tous les coups. Donc en fait le truc c'est fou, je reste tout simplement sur la branche. C'est aussi con que ça. Des fois tu cherches la difficulté pour pas grand chose, alors qu'en fait il suffit de rester sur la branche. Hop. Le truc c'est de faire en sorte qu'elle elle prenne pas des initiatives et qu'elle se mette pas à sauter toute seule. Et voilà. Oh
Ah, j'espère que je recommence pas tout. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc qui flottait dans l'eau. Autant pour moi. Dis-moi que je recommence pas sur l'arbre. Ok. Mais non ! C'est bon ! Ok, voilà. Merci, je suis dessus. C'est bien ce qui me semblait. Tadoum ! Renard, chenapan, sacripan, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré, coquin. Moi, renard, qui se souvient de ça? Oh. Non. Ça paraissait évident sur ce coup-là. Toi, enculé, c'est le boss de fin. Enfin, pas maintenant, mais ce sera... Ah non ! Ah, renard ! C'est le renard, en fait, que je dois contrôler. Renard. Oh, c'est bon. Je sais pas pourquoi il se fait chier. Ah si, parce qu'il lui a volé ses trucs, Thierry la fronde. Je crois que c'est pour ça. Oh. Merci. Non. Mais fais-le monter. Putain, pourquoi elle l'a pas fait monter? Bah si, j'ai récupéré les boules. Ouais, le mec c'est un gueudin, t'as vu ça? Ok. Et maintenant je fais quoi? Eh merde! Laisser péter l'autre. Putain, pourquoi elle reste bloquée? Ok. Ah putain! Fallait que je reste en bas. Fais tomber les bouts de bois qu'il casse. Hey!
putain, c'est pas vrai! Je vais au moins passer ce boss avant de finir ce stream. Et puis il est violent en plus. Donc en fait, c'est pas scripté, il balance jamais les boules de feu au même endroit. Et merde. Les bolas! Les bolas de Legolas. Ok. Qu'est-ce que... Où va-t-il tirer? Non! C'est parce que je suis sympa avec les boss. J'ai envie qu'il... Non mais c'est difficile en fait de deviner sa trajectoire, donc du coup c'est un peu... Tu fais ça au petit bonheur la chance! Putain! Eh, c'est les Serious Games, je veux bien, mais c'est pas un jeu pour les enfants. Enfin, je veux bien que je connaisse des enfants plus doués que moi au jeu. Ça va bien se passer. Putain, c'est impossible de savoir à l'avance où il va tirer. Et le truc ment. Oui, Octorok, j'écris, je rage. La maniabilité est trop lunaire. Non. C'est pas con ce que tu dis. Oh putain, j'étais trop lent. Dépêche-toi de te déplacer, connard! Il va aller de l'autre côté de l'écran.
C'est parti. Oh. Pourquoi il me bute pas la branche qui reste? Il lui reste une branche à toucher, pourquoi il la touche pas? Oh! Yes. Oh putain. Un peu relou ce boss fight. Un peu, beaucoup même relou. Merci Dale. Il est enfin mort ou il est juste... non, vaincu. Vraiment vaincu. Ah, alors quand on regarde, je sais que ça a pas l'air dur, mais il y a la maniabilité qui fait que voilà, il y a une espèce de temps de latence entre le moment où tu appuies sur une touche pour faire quelque chose et le moment où il se passe effectivement quelque chose. Encore pire que dans Little Big Planet. Mais Dendrologue trophée. Il approcha de cet endroit à l'ancienne trophée. Il approcha de cet endroit et s'aperçut que, pour une raison qu'il ignorait, le blizzard semblait provenir d'une petite prairie de la toundra. Ouais, ouais, y a un gros souci de maniabilité quand même dans le jeu. Ceci dit, voilà, il est très plaisant. Mais t'as fini d'être loup, Graz, là. Bah vas-y, fais-toi plaisir, torche-le. Fais un speedrun dessus. Parce que là, je vais mettre combien de temps pour le finir? Je suis même pas sûr d'arriver à le finir ce matin, en fait. Il me reste un quart d'heure. Ah non, mais vidéo ou... Or, it didn't happen. Trop facile. On veut des preuves. Ouh. I like to move it. Bah, heureusement, la PS4 a justement cette belle fonctionnalité d'enregistrer ces parties de gameplay. Donc fais-toi plaisir. Et juste pour moi, merci mon Grazlounet. Ah putain! Oh, il y a du fail aujourd'hui. Oh. Hop. Oh, je vois pas pourquoi la maniabilité changerait sur PC. Surtout qu'à la base, il me semble que c'est un jeu PC. C'est même pas un jeu, c'est même pas un jeu PS4 à la base. Mais le renard, il était plus cool avant quand il avait pas la forme d'un ch'ti d'enfant. Oh! C'est quoi ça? What? Ouais, c'est ça, c'est...
L'inspiration, je l'ai bien vu, c'est l'expiration que j'ai repéré. Ça se joue pas vraiment comme Trine. Alors, le sans déconner, s'il y a bien un truc qui mérite le coup de lâcher un peu de thune, surtout qu'il doit pas être très cher. Bah, déjà, il est offert sur le PS Plus. Mais voilà, c'est bien un jeu comme ça qui a été développé, pas dans un but premier qui était mercantile, mais vraiment pour faire découvrir une culture. Donc voilà, sinon, si tu pirates ce jeu-là, sans déconner, je sais pas ce que... Salut Jules 06, bienvenue à toi sur le stream. Oh, c'est Shadow of the Colossus. Elle va chercher la petite boule qui doit obligatoirement être quelque part, elle est ici. 15 euros, ah ouais quand même. Non, il faut attendre les promos, même 15 euros je trouve ça le vaut. Franchement, je suis loin de me faire chier. J'étais persuadé que j'allais changer de jeu en cours de stream. Et même pas. Si finalement j'aurais fait la matinée dessus. Yep. Bon appétit Grazle, je te dis même carrément au revoir parce qu'à mon avis quand tu reviendras je serai plus là, je finis le stream à midi. Oh ! A plus, passe un excellent week-end. Voilà, c'est exactement ça, le jeu est magnifique. Il y a une direction artistique vraiment excellente. Mais la maniabilité flingue tout. Il y a un gros problème de maniabilité sur ce jeu. Malheureusement. Mais vraiment l'idée est bonne. Et le concept est vraiment sympa de faire découvrir voilà, une autre culture. Les problèmes de la société inuite en particulier. Puis voilà, s'il y a bien un peuple dans duquel on parle jamais dans les jeux, c'est bien les Inuits. Mais voilà, là par exemple c'est pareil, cette maniabilité là. Tu sais pas du tout vers où tu tires, si tu fais ça, tu regardes plus ou moins le regard de la fille. Mais sans déconner, un réticule de visée, ça leur aurait coûté quoi ? En fait, avec une bonne maniabilité, le jeu il doit pouvoir se finir en 3 quarts d'heure. Mais voilà, il se trouve que t'as la maniabilité que tu as. Je vais revenir la boule plus vers ici parce que sinon c'est trop galère. C'est pareil, le changement de perso, tu vois pas non plus très très bien quand ça change. Alors t'as beau avoir un petit aura lumineux qui entoure le perso, c'est pas non plus super évident. Ok, donc là j'ai repéré qu'il y avait ça là. Je vais attendre l'expiration. Hop, pour sauter. Bien joué. Ah, ok. Non. Non. Ah, je peux pas passer par là, ça me fait une belle jambe. Non. Mais pourquoi ? Pourquoi elle saute toute seule ? Ok. Non ! Ok, d'accord, je comprends mieux. Ah putain.
Salut Dale, à très très bientôt. Merci d'être venu sur le stream, mon ami. Wow. Ah, attends. Je vais redescendre. En fait, il faut que je détruise ce truc pour pouvoir utiliser les espèces de petits ascenseurs. Esprit. Ok, je vais faire le tour. Ouais, à travers le trou. T'es sûr? T'es sûr de toi, Letix? J'essaie, hein, mais... Avec la visée épouvantable du truc, c'est pas gagné, hein. Ok, d'accord. Sérieux, c'est une purge, hein, ce niveau. C'est une vraie purge. J'attends l'expiration. Hop. Ok. Inspiration. Oh! Oh. Mon ami le renard. Pas trop loin non plus. Pas trop loin. Non, jamais je doute de toi. Non. Hop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas vraiment un jeu pour gosses. Wow. Ah, il y a un truc. Ah non! Il va pas me faire recommencer tout le bordel. Non, il va pas oser. Je fais descendre l'autre. Putain. Ah, si t'arrêtais d'être con aussi. Ça va peut-être être plus simple que note bien quand tu joues à deux. Ce genre de truc. Thank you.
Non, dans l'autre sens. Dans le sens. Dans l'autre sens. Yeah! On the road again! Non. Hey, hey, hey! Cette phase de plateforme, comme sans déconner. Bon, j'imagine qu'on appelle ça... ouais, on peut pas en online. Mais c'est vrai que le renard, voilà, le renard il vient pour sa vie, il fait ce qu'il veut. Et du coup, c'est pas toujours très pratique. Alors j'espère que c'est un checkpoint. Parce que c'est ici, malheureusement, que je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui. Après un stream de 3h10, très précisément, je vous remercie infiniment de m'avoir rejoint. Putain, je suis juste une tête. J'aurais pas dû m'habiller en noir parce qu'avec le fond... non, je vous assure, j'ai quelque chose sur moi. Mais oui, on voit qu'une tête volée. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce stream, d'avoir suivi d'ailleurs même les deux streams de la journée, hier et aujourd'hui. C'est ici déjà qu'on se quitte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un très très bon week-end, puisque je ne stream pas le week-end. Un très très bon Koh-Lanta pour ceux qui regardent ce soir. Le texte qui défile, je peux l'enlever parce que non, je ne reviendrai pas dans un instant. Le prochain rendez-vous, ce sera lundi matin à partir de 9h pour un stream before work, comme tous les jours de la semaine, entre 9 et 10h, donc 1h de stream par jour. Pas plus, pas moins, si des fois plus, comme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Voilà, encore une fois, merci à Etix, merci à tous les autres, merci à Graz, merci à Octo, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui sont repartis. Je vous souhaite, encore une fois, je sais, je me répète, mais c'est comme ça, un excellent week-end, une excellente journée de ce vendredi qui arrive. Et puis rendez-vous lundi matin, merci. Joule06, on va se quitter en musique. Non, pas celle-là. On va se quitter... avec la musique de Crypt of the Necro... Dancer, nouveau jeu qui est sorti sur Steam, et une excellente bande son. Bonne journée à toi également, Octorok. Bonne journée à tous, bonne journée Letix. On se retrouve très très vite, donc à partir de lundi, 9h du mat. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. Salut, salut!